Yon gros salutation pour nous tous. Bienvenue sur channel Benjamin Donald anecdote là. Jodi encore nous content avoir, nous content venir partager des idées avoir, nous venir partager tes recherches que nous fait sur un sujet et nous venir mettre le devant et au final ou même dans commentaire ou ka quitter qui sont pas très main ou ka quitter qui sont trouvé que nous pas dit parce que ici c'est la démocratie. Pas ça et Benjamin Donald anecdote là nous pas fonctionner nous comme si nous gain la science infuse que nous gain savoir là dans nous. Non, nous venons là, nous venons parler, nous venons porter on petite recherche que nous fait même si que nous te connait ça déjà et ou même ou gain mot pour dire à travers commentaire là surtout que nous mal parler surtout que on va gagner nous pas dire ou quitter le commentaire on a trop content débattre ensemble. Bref, semaine passée nous te commencé parler de la femme haïtienne et à travers madame Werley, on ben a rété dans même champ ça, nous pas parler de Suzanne Sanit Belair. Sûrement en pile monde c'est première fois entendre parler de nous ça. On bien c'est une héroïne de l'indépendance haïtienne parce que ce soit à l'école classique ou du moins à travers les ouvrages historiques, y a pas facile mettre fille à l'honneur. Il n'est pas facile vendre mesdames. Yo. Et pourtant, il n'y a pas de femmes qui bataillent. Il n'y a pas de femmes qui quittent sang yo sous champ de bataille pour nous prendre l'indépendance en 1804. Parmi les femmes, nous avons cité quelques. Claire Heureuse, qui était la première femme qui jouait le rôle infirmière en Haïti. Pas oublier ça. Le soldat nous a pris un coup de canot. Le soldat nous a pris un coup d'épée. Bien, la première femme qui était sous terrain qui a soigné les soldats. C'était Marie Claireuse. Faut pas oublier ça. Après Claireuse, t'as Marie Jeanne, t'as gagné Défilé, t'as gagné Suzanne Belair que nous parlons pas de là bien sûr, t'as gagné Mantout, etc. Chargé femme qui bataille, chargé femme qui aide nous pour mettre l'indépendance. Mais l'histoire ou du moins à travers le livre nous on a pli, y a pas mis les femmes ça en valeur. Mais c'est l'optique ça nous trouver que y a un manquement au niveau Livio, amène-nous pour cette vidéo ça pour éclairer l'antenne à travers vidéo ça pour comprendre mieux que c'est pas seulement Dessalines, c'est pas seulement Pétion, c'est pas seulement Boyer, c'est pas seulement Capoil-la-Mort, c'est pas seulement Macandal, c'est pas seulement Toussaint Louverture qui t'aide nous bataille pour l'indépendance. Mais il y a pile femme qui baille sueur tout, il y a pile femme qui baille sang yo. Donc dans l'optique ça, on a commencé avec première femme nan, qui c'est Suzanne Sanit Belair qui joue un rôle capital dans l'indépendance nous en 1804. Je dis 1804, mais depuis avant 1804, nous étions en nation qui est indépendante. Depuis avant le 1er janvier 1804, nous étions pour l'indépendance nous. Parce que officiellement parlant, la dernière bataille que nous menions pour nous prendre l'indépendance, c'était 18 novembre, la bataille de Vertière. Après, nous finissons battre ces derniers vrais combats. Oui, tu es toujours les Français souterrains. Oui, tu es toujours les ennemis souterrains. Mais bataille symbolique là, c'était bataille de Vertière. Et la preuve en est tellement bien grande, Français ont tellement pas appelé ouais mot ça et les Vertières là, y a pas mot ça pas jamais dans dictionnaire. Le mot Vertière, mot ça pas jamais dans dictionnaire jusqu'à ce que Daniel Laferrière qui pral rentrer dans l'Académie française soit 2017 ou 2018, m'a rappelé bien et bien, mais nous ka fait tu recherche à nous même n'a pour ça m'a dit nous. C'est Daniel Laferrière qui peut permettre yo rentrer mot ça et les Vertières là dans le dictionnaire parce que français yo pas jamais digérer des fait ça bataille de Vertières tout ça yo dans histoire d'Haïti faut qu'on connaît. Bref, maintenant on entre dans ça qui concerne Suzanne Sanit Belair. En soi il pas ton esclave, de préférence c'était un affranchi. Nous compte ça veut dire déjà affranchi parce que à Saint-Domingue tu as trois classes, la classe des blancs, la classe des affranchis et dernière classe là qui c'est la classe des esclaves. Bien Suzanne Sanit Belair était dans m'ka dit dans deuxième classe là. S'il dans deuxième classe là, ça veut dire son monde qui était au moins joindre quelques petits privilèges, il pas besoin bataille pour indépendance. Bien c'est pas ça, malgré le petit privilège il pas de garder sous ça, il était vle tout monde gain même droit. Bien c'est l'optique ça, il commence à rentrer dans bataille là pour permettre pays ça libérer. Et bataille a été symbolique. Pour qui ça? Parce que Sanit Belair massacre un paquet de blancs.
Sani de Bel Air mettait en pile piège pour blanc. Bay au poison, tant de piège pour yo. Il a passé dans telle route, prend un guet-apens. Sani de Bel Air, c'est tout, c'est ça. Même si c'était bagaille individuel, mais quand même, ça a joué un rôle important. Parce que c'est ça qui pourrait le permettre, ce petit bataille individuel, ça a, qui pourrait le permettre que masse la prend conscience, qui pourrait le faire révolution en 1791. Bref, en entrée, pour nous, qu'est-ce que c'est Sani de Bel Air là? L'histoire pas retracé date exacte d'Anit et Sani de Bel Air. Gen pile divergence sous année naissance li. Gen côté ou bay 1981, gen côté qui bay 1982. Mais ça qui sûr c'est que li prend naissance dans département de l'Artibonite à Verrette. C'est là ça li prend indépendance. Mais dommage Sani pas après jouer vraiment indépendance li et pardon, pas après jouer fruit indépendance là que le bataille pour lui. Sani de Bel Air, c'était un affranchi, j'aime sous dire là, qui aidait nos batailles pour l'indépendance, nous. Et en plus, Sani de Bel Air, t'apral fait partie de régiment, ou du moins troupe Toussaint Louverture. Ça veut dire, troupe côté le tap exercé talent, ou du moins exercé Wally, en tant que un leader, c'était bon côté Toussaint Louverture. C'est là tout le pral rencontrer Maril. Pardon, Sani de Bel Air. Charles Bel Air, c'est là pour rencontrer Charles Bel Air qui va venir Maril bien sûr. Il va l'épouser, qui va l'épouser Charles Bel Air. Charles Bel Air, c'est qui a cité lui-même, c'était non seulement neveu Toussaint Louverture et il était extrêmement proche Toussaint Louverture. Ça veut dire c'est pratiquement et la famille qui était dans troupe ça. Mais c'est bon côté Toussaint Louverture que yo pral exercer tout talent. Et à travers plusieurs, j'aime t'ai dit tout à l'heure, à travers plusieurs tentatives, après plusieurs tentatives de côté pour côté repousser attaque française yo, après plusieurs tentatives côté ni Maria, Charles Bel Air et Sani a bataille contre français yo, mettez au dehors, essayer pousser yo le plus le possible que territoire pa yo. Balle ou du moins munition Charles Bel Air ou du moins munition troupe la pral fini. C'est le moment pendant munition troupe la pral fini. Charles Bel Air pral déplacer lui-même pour aller chercher l'autre munition. C'est dans moment ça soldats français yo envahi territoire côté Sanité hein, yo capturer Sanité. Leur capturer Sanité, Maril lui-même pour tête y aller. Maril dit yo met prendre mais la gué madame ni. Mais français yo même ça va pas le faire. Yo t'apral trouver que ça son cadeau en or, yo t'apral arrêter ça ni mari ni madame à savoir, yo pral arrêter ni Charles, yo pral arrêter ni Sanit. Et après plusieurs jours, le 5 octobre 1802 officiellement parlant, yo pral exécuter tous les deux moun sa yo. L'a exécuter Charles pendant le pral mettre mel sou que Sanit, yo bal plusieurs balles en tête. Mais à l'époque, garçon pas gagne même sort avec femme, yo te plus décapité femme nan, le prend yo décapité. Mais ça n'est tellement pendant pral exécuter lui même, il pas d'accord, yo bande je li pa vle, li bataille, li bataille. Le la bataille avec moun parce que te vle mourir en soldat. Même dans bataille li, même dans l'amol, ça n'est pas d'accord obéi. Malgré zam de la, malgré épété là, ça n'est te vle mourir en héros. Ambe après plusieurs combats, après plusieurs batailles, après plusieurs gourmets, le ou pas capable de gel vraiment, yo décide de tirer Sanit. Mais officiellement parlant, Sanit pral mourir en 5 octobre 1802, mais Sanit c'est un pionnier, c'est un premier monde qui t'a aidé nous camper, aidé nous bataille pour indépendance nous. Sanit pas n'importe qui. Sanit c'était une femme vaillant, Sanit c'était une femme totale. Non seulement la massacre blanc avec Maril et avec troupe partout la massacre blanc yo mettez des pièges pour yo empoison de l'eau yo ranger des tentatives pour yo mettez des tentatives mettez des pièges pour yo mais tout ça c'était Sanit accompagné de Maril qui t'a fait toute action ça yo en bien Sanit pral mourir en héros j'aime ça dire là parce que le pas d'accord obéi Sanit pas d'accord courbé avec Marigel et décapité. Et là où ça n'est pas bataille, yo résiste, yo exterminé avec un balle. Voilà comment ça n'est mourir.
Ça n'est mouri très jeune, à 21 ans bien sûr, ça veut dire li pa gen tan joui indépendance là. Mais au moins li bataille li mouri, li kite on tel libre bon nou. Li bataille li kite un espace que nous tout ka vivre là en paix, même si nous tout connaissons déjà nous pas en paix, mais au moins nous ka di que nous son nation libre et indépendant. C'est ça pour nous connait. C'est hop si que ça me te pour des petites vidéos ça pour nous pour me font parler nous de qui est-ce qui était sanit là côté le sorti côté le prend naissance et nous même n'a gon idée de qui est-ce qui sanit là seule satisfaction m'a dit que sanit gagne côté n'a parlé là c'est en 2004 le gouvernement a décidé mettre sanit sous l'argent 10 goud nous kon wè nan men nou yo 10 goud k'ap circuler dans la rue en bien font ti garder font le lamen nou jete un coup d'œil là dedans après ces photos sanit ces photos sanit belè c'est gros héroïne ça n'a parlé de lui là mais ces photos qui sont 10 goud là mais c'est à partir de 2004 peut-être bien dit peut-être le roman qui fait le al dans histoire ouais qui rôle sanit te joue dans indépendance nou c'est le ça yo prend conscience de décider mettre sanit sous l'argent mais avant ça pas de jambe grand côté yo te kon honoré héroïne ça relé sanit belè. Côté m'a parlé là, Claireuse pas sous l'argent. Côté m'a parlé là, défilé pas sous l'argent. Côté m'a parlé là, Marie-Jeanne pas sous l'argent. Côté m'a parlé là, Mantoute pas sous l'argent. Tout ça yo, ce sont des héroïnes de l'indépendance haïtienne. C'est femmes qui bataillent pour faire nous une nation indépendante. Mais yo pas mettre yo pas garder yo dans valeur exact yo. C'est une optique ça me petite vidéo ça pour nous, mais j'espère que le fait nous plaisir. N'a point semaine prochaine pour une autre vidéo pareil ou du moins une vidéo qui est plus belle. Bye bye, à la prochaine.